Coucou ma bébé d'amour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hey, la jolie voiture que Dada m'a achetée. Oh. La jolie voiture que Dada m'a achetée. Oh. Ça rend les gens jaloux. Oh. La jolie voiture que Dada m'a achetée. Connectez-vous mes bébés. Merci. Mais ça y est, c'est bon? Merci. Ah. Comment mes bébés? Attendez. Hein. La jolie voiture que Dada m'a acheté au... Oh, connectez-vous, mes bébés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ah, maman, ma copine. Connectez-vous, vous faites quoi? Voilà. Ah, oui, si. La jolie voiture que Dada m'a acheté au... Oh. Maman, les filles vont mourir. Mes ex-copines vont mourir. Oh. J'ai dit que je ne veux plus. Je ne veux plus les fausses copines. J'ai besoin de nouvelles partenaires. J'ai besoin des filles gentilles. Je fonctionne maintenant avec les filles sympas. Ah oui, c'est la Merco. Regardez. Les deux clés. Ah oui. La Vela. Range Rover. La Mercedes. Mettez les cœurs, mes doudous. Connectez-vous, partagez la vidéo. Je sais que vous dormez déjà. Mais c'est pas grave. Demain, les autres creveront la vidéo. Comment mes copines? Attendez, hein. Je cherche mon deuxième téléphone. Maman, les gens racontent déjà n'importe. Il y a la jalousie. Copine jalouse. Je connais en plus celle qui parle. Hé, hé. Maintenant, vous prenez Dada pour le proxénète. Je croyais que c'était mon gars qui était un proxénète. Donc, c'est maintenant Dada. Hé, hey, mes copines, partagez la vidéo. Là. Il y a le Japap. Il y a le dit Japap. Maman, je suis une sirène. Comment mon bébé d'amour, ça va? Moi, je suis une sirène des eaux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est moi qui dirige, c'est moi. Comment mon bébé et mon premier fils? Ça, c'est mon premier fils, Lucas. Attendez, Lucas, on va faire un tour. Merci. La voiture que Dada m'a achetée, oh, mes copines, oh, on dit que Dada, c'est à mon procès net. Hey, vous dites que vous avez les choses sur moi. Mais depuis que vous dites que vous avez les choses sur moi, vous ne manquerez rien. Je vous ai dit que, maman, depuis que je suis ici, là, à Monaco, il n'y a aucune waka qui est bien là. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être publié sur Facebook. Quand c'était moi, vous êtes venu m'insulter ici. Venez payer vos taxes. Vous payez vos impôts. Je vais vous obliger à payer les impôts en France. Parce qu'il est hors de question que moi, je suis celle qui paye les taxes en France et vous venez m'insulter en faux profil en tant que qui? Celle qui ne paye pas ses impôts en France, je te fais les photos. Tu viens ici travailler, je te fais. Je vous dis, je te fais. Monaco, hein, c'est la France. Sur la carte, hein, Monaco, c'est la France. Je te fais les photos, je m'en vais aux impôts. Je dis que tu travailles. C'est tout. Vous avez peur de quoi? Ce n'est plus. Mon gars n'est plus proxénète. Je croyais que le père de mes enfants, c'était le proxénète. Parce qu'il a accepté que oui, il est le proxénète. Maman, une fille qu'on... Maman, vous savez même la signification de proxénète. Maintenant, c'est Dada. Avant, c'était à mort. Hein. Sachez que tout ce que vous pouvez dire, hein, ça va encore faire en sorte que ces personnes-là vont toujours m'adorer. Ils vont toujours me prendre pour une reine. Parce que c'est moi qui décide de ma vie. Oui. Mes copines, vous dormez. Ouais, il y a les travaux là. Hein, okay. J'espère qu'on peut passer. Moi, avec la grosse voiture ici. Voici les clés de ma voiture. De mes voitures. Hein? Là. Range Rover. Je rentre là. De là. Je décide de ma vie, il n'y a personne qui peut décider. Tu peux être multimilliardaire si je décide de faire ce que je veux. Maman, je fais ça. Pourquoi je suis indépendante? Je suis contente, oh, mes amis. Et que Béatrice, tu manques, je manque quoi? Tu es encore venu. Toi, tu vis en faux profil. Je suis contente. Tu connais ma vie pour dire que je manque.
Je suis ta copine. Toi et moi, tu connais ma maison. Jamais. Aucune fille peut dire qu'elle ne connaît le chez moi. Aucune ne peut dire qu'elle connaît le chez moi. Merci, merci Sabine, mon cœur. C'est gentil, mon bébé. Je vous dis que mes copines, maintenant les filles, mettez les cœurs, non? Et je wanda sur vous. Vous êtes quand même 150 et quelques pour l'instant. Là, c'est vrai que la vidéo ne vient de commencer. Mettez les cœurs quand même, partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez les étoiles s'il vous plaît, on va faire le japap, un japap que les autres qui vont se réveiller le matin, ils vont écouter. Vous dites que quoi? Aucune wako, vous avez peur de qui? Vous avez peur de moi? Maman, venez travailler, n'ayez pas honte, on n'a pas honte de ce qui te nourrit, venez travailler, je veux rester un mois, hoha. Je vous dis que tu ne payes pas les impôts, je t'oblige à aller payer les taxes. Vous m'avez cru insulté sur Facebook. Vous, je vais vous montrer. Vous avez déjà peur. Maman, les rombiers de l'année dernière, vous êtes où? Hein, la voleuse de sac Chanel, tu es où là? Hein? Tu es où? Et l'autre aussi là. Celle-là, les faux amis. Elle vous contacte sur Facebook pour vous nuire. Vous êtes où? Venez travailler, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de moi? Je vous ai dit que je mange l'argent des impôts. J'ai un pourcentage. Je n'ai pas de pourcentage. Sauf que nous tous, on va sauf que payer les impôts. Vous avez peur, maman? J'ai dit que je reste un mois. Oh, ha. Vous m'avez envoyé les services sociaux. Les services sociaux m'ont demandé les excuses. Pardon. Ils m'ont demandé les excuses parce que j'aurais pu retourner la plainte. Regardez là, ça m'empêche de faire ma vie. Je paye les impôts. Hein. Je vous ai dit qu'en France, ici, là, tu ne parles pas fort à celui qui paye les impôts. Tu payes les impôts. Moi, mes maris, mes hommes, vous venez vous montrer comme si vous avez pitié de mes enfants, pourtant vous me détestez. Vous n'avez même pas pitié de mes enfants. Mes enfants vous enculent. Ils s'en foutent de vous. Ils vous chient dans la gueule. Mes gosses, ma belle-fille vous chie dans la gueule. Vous avez compris? Moi, j'ai ma belle-fille, elle a 25 ans aujourd'hui. Elle vous pisse dans le cul. Vous avez compris, non? Ah oui! Vous croyez que vous voulez montrer que vous m'aimez tellement? Vous me détestez! Ma belle famille est au courant de ma vie. Mes hommes sont au courant de ma vie, c'est ce qui vous choque. Ils sont là, ils sont partenaires, ils sont associés. Ils ont compris que vous êtes jalouse de moi. Vous êtes jalouse de moi. C'est ce qu'ils ont compris. Donc, ils vont vous, sauf que vous pompez l'air. Je suis la reine, je suis la princesse, je suis la sirène, la déesse des eaux. Donc, l'homme, il fonctionne comme j'ai envie. Tu ne marches pas comme je désire. Tu te mets de côté. C'est comme ça. Vous avez compris, non? Vous me faites rigoler lorsque vous parlez de mes gosses. Vous me détestez tellement. Tellement la preuve, vous avez envoyé les services sociaux. Tellement vous me détestez, ils ont compris que vous me détestez. Vous êtes jalouse. Attends. Il y a une même qui dit, mes copines, mettez les cœurs, c'est le Japon. Mais quoi? Maman, je rentre chez moi. Est-ce que moi, je donne le lait? Mon père est déjà mort. La seule personne qui pouvait me retenir, c'est mon père. Même ma mère qui m'a mise au monde, qui a crié, qui a souffert pour moi, ne peut pas me retenir. C'est vous qui allez me retenir. Ou un homme. Vous faites les saintes ni touches. Vous êtes des bordels. Vous venez. Vous ne venez pas ici. Je vais rester sauf que un mois. Trois appartements ici. Un mois. Vous allez être au chômage. Je te dis que je te vois. Je te filme. Je m'en vais aux impôts. Je dis aux impôts que tu travailles. Tu vas sauf que déclarer ton argent. C'est fini. Vous m'avez provoqué, non? J'étais calme. Attendez, hein, mes copines. Vous savez que. Mes copines, vous savez que moi, j'ai... Excusez-moi, hein, mes copines. Attendez un instant. Je veux d'abord... Un instant. La jalousie de ça. Maman, il y a pas la lumière. Excusez-moi, vous savez que c'est la nuit. Je vais enlever là. Allô, coucou, comment tu vas, dada? Ça va? Tu dormais, je t'ai réveillée?
Ouais, je suis en direct là. S'il te plaît, tu peux me garer la voiture. Je suis avec mon bébé d'amour. J'ai envie de parler. Merci mon. Merci pour les étoiles, mon bébé. S'il te plaît. Mais Dada, on dit que tu es proxénète. Ce n'est plus le papa des enfants. C'est maintenant toi. Ce n'est plus... Avant, tu sais qu'avant, c'était un mort. Hein. Maintenant, ils disent que toi, tu es criminel. Tu es capable de me tuer. Ils disent que je dois me méfier de toi. C'est toi qui serais ma discrétion. Ils ont oublié qu'il y avait les talents. Ils ont oublié qu'il y avait papa, maman. Ils vont tous me tuer. L'autre va me tuer. Il va me prendre la tête. L'autre va prendre mon corps. Et l'autre va prendre mes pieds. Dada, s'il te plaît, viens me garer la voiture. Tu sais que. Je suis ici, je suis là. Je suis là devant, s'il te plaît. Je suis là devant. Je me suis bien amusée. J'ai bien rigolé. C'est ça. Vous êtes jalouse. Des bandes de jalouses. Vous êtes jalouse parce que j'aime mes ouais bien comme il faut. Je sais gérer mes ouais. Je suis comme vous. Maman, je suis propriétaire. Maintenant, vous acceptez. Mais... non, t'inquiète, t'inquiète. Vous acceptez que je suis propriétaire aujourd'hui. Je croyais que je n'étais pas propriétaire, mes copines. Donc, vous acceptez que je suis propriétaire aujourd'hui. La jalousie. La jalousie. J'espère que tu vas pouvoir payer les crédits avec tous les crédits que tu prends. Je t'attends. J'ai besoin de toi. Hein? Même si je ne paye pas, ton problème est où dedans? Ma belle-fille va payer. Ma belle-fille va payer mes crédits. Ma belle-fille a 25 ans. Un top modèle. Une belle blonde. Vous croyez qu'elle n'est pas sur Facebook? Elles savent que vous êtes jalouses de moi. Vous êtes des mauvaises personnes. Mes beaux-parents sont dedans sur Facebook. Ils voient. Ils voient que vous êtes mauvaise. La preuve, même ma banque a vu que vous étiez des méchantes. Ils vont sauf que me financer. Ils ont besoin de vous. Quand j'ai pris, j'ai commencé. Donc, vous acceptez hein, que j'ai... Vous acceptez hein, que je suis propriétaire. Je croyais que j'étais une clocharde. J'étais moins que rien. Je vais vous pomper l'air. Je vais sauf que montrer ma live. Vous cachez. Je vais rester un mois à Monaco. Je vais vous montrer que je paie les taxes en France. Vous avez peur de quoi? Vous êtes des saintes ni touches. Vous avez peur d'être publié sur Facebook. Vous dites que vous avez ma live. Et que je vais lire. Mettez. Mettez. Vous avez tellement, vous m'aimez tellement que vous n'avez pas encore mis. Si vous avez quelque chose pour me nuire, vous serez les premiers. Sauf que vous n'avez rien. Parce que je ne suis pas une saleté et vous êtes au courant. Je ne suis pas une merde. Hein? Mais par contre, celle qui va travailler sans payer ses impôts, je vais aller les dénoncer aux impôts français. À l'office français. Je vous ai dit ça, hoha. Vous avez peur quand je viens, parce que vous me voyez en vidéo, vous fuyez. Vous annoncez que tout le temps que les Français, ce sont mes proxénètes. Maman, ils sont vont sauf qu'être mes procédés, oh, ah. Ils ont raison. C'est leur argent. Vous voulez que quoi? Vous croyez que c'est l'Africain qui va être mon procénète? Dada, c'est gentil, mon dadonné. Ça va? Merci. S'il te plaît, tu me gardes, c'est au garage, s'il te plaît. Merci. Et Dadou, 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 s'il te plaît, les clés. Les clés. Merci. La voiture que Dada. Maintenant, ce n'est plus, plus papa qui est procénète. C'est maintenant Dada. Avant, c'était Amore. Tu vas voir les Italiens. Ils vont te tuer. Ils vont te cesser. Maman, mieux un Italien me tue que vous. Vous êtes jalouse. La jalousie vous pique. Maman, propriétaire. J'entre chez moi. Vous avez peur de moi. Vous vous cachez. Je vous dis que vous allez sauf que vous cachez. Parce que vous dites que dès que je vais vous voir, je vous filme. Allez dire à où vous voulez. Je vous allez payer les impôts. Je travaille pour l'État français. Ah ouais. Oui. Je travaille pour l'État français. C'est terminé le travail au noir. Terminé le travail au noir. Ah oui, la France, c'est pour ceux qui ne travaillent pas au noir. Terminer le travail au noir. C'est fini ça. Le travail au noir, c'est terminé. Ah oui. Vous avez sauf que l'île. Vous pouvez m'atteindre. Vous fuyez quoi? Vous avez peur de quoi? Je connais ta vie. Tu vas à l'île. Depuis que vous me dites que tu vas à l'île. Maintenant, c'est... Depuis que vous me dites que je vais à l'île. Je vais à l'île jusqu'à quand? Venez!
On va lire ensemble. Je dis que je veux vous, sauf que vous exposez, roi. C'est vous qui avez honte, non? Moi, j'ai honte. Mamie, ça. Mais bébé, vous êtes jalouse parce que j'essaie de travailler de mes mains, maman. J'ai les fans qui me supportent. Vous croyez que c'est moi? J'ai le temps de ça. Je vous ai dit que si vous êtes capable, je vais vous filmer. Je vais vous filmer, mes copines. Comment, mon bébé? Je veux sauf que vous filmez. Allez, dis là où vous voulez. Je vais vous filmer. Je vais vous exposer aux impôts français. Vous allez comprendre que dans la vie, il faut respecter les gens qui payent les impôts. Il est hors de question que moi, je paye les taxes. Et vous me traitez comme de la merde. Je suis à votre niveau, moi. Tu dis quoi? La saleté, là. Je sais qui tu es. Voilà. Tu as mis le nom Fatou parce que tu croyais que j'allais m'agresser à Fatou, mais je sais qui tu es. Tu as quoi sur moi? Tu as quoi sur moi? N'oublie pas, peut-être ce que je te racontais, c'est un mensonge. Tu as quoi sur moi? Tu crois que si tu avais quelque chose, tu m'aurais pas déjà vendu? Tu n'as rien sur moi. Tu as compris, non? Rien. Tu as compris, non? Je vous vois. Vous allez aller vous enregistrer. Je veux forcer à tous les wolos, tous les waka. Tu ne payes pas les impôts. Je te filme, j'ai ton identité. Je m'en vais, je parle. Je filme en direct. Est-ce que je me cache? Je vais cacher la caméra. Je vais filmer. Vous allez écouter comment je suis en train de dire. Si vous voulez lutter avec moi, une bordel comme moi, vous allez lutter avec moi. Une bordel à quoi? Vous allez lutter avec moi. Vous n'êtes pas encore né, mes chéris. Vous venez en faux profil, pourquoi? Venez en vrai profil. Venez en vrai profil. Maman, Emile, tu dis que les gens ne viennent pas régler. C'est moi qu'on insulte. On insulte, maman. On crée tous mes gars de procès net. Moi, un gars peut me commander. Hey. Maman, je vous ai dit que mon mari, c'est mon mami Ouata. Le reste là, ils vont fonctionner comme j'ai envie. Tu ne veux pas marcher comme je veux. Tu pars. Il n'y a pas de problème. Vous avez insulté Amore ici au début. 9 ans de relation Amore. Hein? Il va te tuer. Ouais, ouais, ouais. Tu crois qu'on tue n'importe qui? Nous, on vous tape matin, midi, soir. Est-ce bande de jalouses? Vous avez peur, hein? Vous avez honte. Je vais même rester 4 mois ici, sur place. Je suis propriétaire, c'est ma maison. Vous voulez que je vous filme? C'est chez moi. Donc, vous acceptez maintenant que c'est chez moi. Avant, vous disiez que c'était pas chez moi. Merci pour les étoiles. Mettez les cœurs, mes doudous. Okay. Vous voulez le Japon, vous ne mettez pas les cœurs. Merci, mon amour, pour les étoiles. Merci, mon amour, pour les étoiles. Maman, vous êtes jalouse. Les vrais amis, je les ai rencontrés sur Facebook. Mes vraies copines. Aujourd'hui, je parle avec des filles classe. Les filles bien, mes partenaires, nous allons aller à Macao. Nous tous, on va rouler en Rolls Royce grâce à Facebook. J'ai des vraies copines sur Facebook là. Vous êtes jalouses. Je vous ai dit que moi, je vais vous balancer aux impôts français. Venez travailler. Venez tenter de venir travailler. Je vous dis, allez mettre les vidéos où je veux. Vous allez payer les taxes. Vous ne payez pas les taxes, je vous crie aux impôts français. Si vous êtes forte, venez, non, je reste 1 mois. Venez, mettez vos pieds, je vous filme, j'ai votre identité. Le lendemain, je lance le direct, je m'en vais aux impôts à Nice. Je vous balance, hoha, à l'office français. Il est hors de question, un instant, il est hors de question que moi, je paye les impôts et vous ne me respectez pas. Vous me prenez pour qui? Ah ouais, c'est vous qui avez voulu la méchanceté là. Monte. Vous avez voulu cette méchanceté. Parce que moi, je venais faire mes vidéos tranquilles. Au lieu de me laisser continuer à faire mes vidéos tranquilles, vous venez pour me détester. Jusqu'à vous traiter Dada de criminel. Vous dites Dada, c'est lui qui va te nuire. Vous êtes jalouse. Même s'il me nuit, il aurait raison. Il m'a fait les seins. Il a le droit de me nuire. Il va me faire les dents. Il a le droit. Vous êtes jalousie. Vous m'aimez trop, quoi. Merci. Je suis en direct. Vous m'aimez tellement que vous avez pitié de moi. Tellement vous m'aimez, vous venez m'insulter dessus mon Facebook. Tellement vous avez pitié de moi.
Hey, Dada va te nuire. Dada, c'est ton procénète. Dada, c'est ceci. Dada est soumis. Papa est soumis. Amor est soumis. Moi, je suis une dominatrice. Ça veut dire qu'on fait ce que j'ai envie. Tu n'as pas envie. Tu dégages. C'est ça. Et ça, ça vous jalouse. Parce que vous n'arrivez pas à tenir vos hommes comme ça. Vous ne pouvez pas faire la comparaison. Mais moi, je suis une fille de Kribi. Je suis une fille de Kribi. Je suis une déesse des eaux. Donc, ça veut dire que tout ce que je dis, l'homme doit écouter. Vous créez des dada de prosénètes. C'était d'abord papa. Après, c'est Amor. C'était d'abord Amor. Après, c'est papa. Maintenant, c'est dada. Parce que vous êtes jalouse que ta dame me fait les seins. Un professionnel a le temps de faire les seins à quelqu'un. Tourne-toi, on va me pardon. Laisse-moi. J'ai un vrai sujet. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, non, je vois là sur vous. Mettez les cœurs. La jalousie de ça, ça vous donne quoi? C'est toujours la jalousie là. Merci mes doudous, merci mes petits cœurs. Maintenant, c'est Dada que vous créez de procès. Dada, c'est un soumis. Ça veut dire que si je dis, ah, il fait hic. Je le gifle aller-retour. Comme ça. Vous allez dire quoi? Hein? Tu acceptes ses cadeaux. C'est lui qui va te montrer. Je vais l'avoir le chicoter. Il ne peut même pas tenter. Je vais le chicoter comme je vais chicoter papa, comme je vais chicoter en mort. Hein? Vous allez encore faire quoi? C'est vous les mauvaises, oui. Il va te tuer. Il va te faire ceci. C'était d'abord papa, vous avez dit qu'il va me tuer, non? Papa, et si je meurs, vous allez vivre. Vous allez vivre. Même si je meurs, je suis éternelle. Maman, je meurs, ça me résout mes problèmes de crédit dans la banque. Tu dis que je ne suis pas capable de payer les crédits, tous les crédits que tu prends. Tu crois que la banque va me donner le crédit parce qu'il a pitié de moi? Tu es stupide, salope. Grosse chienne, tu es stupide. Tu es une grosse chienne de merde. Tu m'as compris? Moi, je te réponds en vrai profil. Tu es une grosse chienne de merde, une grosse salope. Tu crois que la banque va me financer quelque chose parce qu'il a pitié de moi? La banque finance parce que tu as les moyens, parce que tu es capable, parce que tu peux. Donc maintenant, tu es d'accord que j'ai les appartements. Je croyais que je vivais au Airbnb. Que j'étais là, je vivais au Airbnb. Je vais sauf que vous pompez l'air. Pompez l'air. Maman, je suis chez moi et l'écran. Hey, Carole, non, là. Hey, maman, il y a une jalousie, là, une bande de fausses copines. Maman, et en plus, celle que je vous dis, là, c'est celle que maman, j'avais pitié d'elle. C'est elle qui vient en faux profil, elle vient m'insulter. En plus, les gens viennent me défendre, comme toi, là, ma chérie Carole, tu vas me défendre. Elle va dire que c'est moi qui viens en faux profil. Maman, j'ai le temps de faux profil. Moi, j'ai le temps de chercher mon argent. Tu vois, tu crois que je vais venir en faux profil. Mais je lis, je vous ai dit que je lis tous vos commentaires de A à Z. Quand je vois déjà que tu es un peu mal poli, maman, mieux je te bloque. Parce que je n'ai pas le temps, père. Si je n'ai pas envie de discuter avec toi, je te bloque direct. Je sais qu'en te bloquant, tu vas recréer un autre compte. Tu crois que je veux perdre mon temps à écrire les messages? Pourtant, moi, j'ai accès à bloquer celui que je n'ai plus envie de m'écouter. N'importe quoi. Laissez Dada tranquille. Dada a ses deux enfants. Ces deux reines qui m'adorent. Dada connaît papa et connaît Amor. Ces deux reines me suivent sur Facebook. Avec le mari, un chirurgien dentiste. L'autre, il est un businessman. Ce sont les gens qui ont minimum 35 000 € par mois. Ce ne sont pas des enfants. Ils ont compris la jalousie. Donc, vous pouvez insulter comme vous voulez. Dada va sauf que être avec moi. Ah oui. Vous avez compris, non? Donc, tout ce que vous pouvez dire là, ça n'enlève ni chien ni... Vous êtes jalouse. Vous êtes jalouse parce que Dieu vous a montré. Vous croyez qu'en m'enlevant Johnny... Johnny, moi, j'étais en train d'étudier. Quand j'ai compris, c'était un bangando. Je l'ai laissé. Vous croyez que moi, une fille de Kribi, de renseignez-vous à Kribi. Une fille de Kribi, on peut l'envoler un homme. Maman, ce sont les hommes qui sont... Qui marchent sur les pieds... Qui marchent sur les pieds des filles de Kribi. Vous pouvez voler un homme à une fille de Kribi. Nous sommes comme les filles Bassa. On ne nous vole pas les hommes. Ce sont les côtiers, non. On ne nous vole pas. Renseignez-vous bien. Hein?
dada. Il a ses enfants qui m'adorent. Il a deux princesses, deux reines. Donc, tout ce que vous pouvez raconter sur lui, ça passe comme le vent. Parce que ce sont déjà une famille des intellectuels. Maman, ce sont eux qui ont fait l'école pour moi. Vous allez dire que je ne sais pas parler français. Moi, j'ai le temps d'aller voir un orthophoniste, comme vous avez dit. J'ai le temps. Le temps, c'est de l'argent. J'ai mes enfants qui vont faire l'école en France pour moi. Qui vont travailler pour moi. Vous avez compris, non? Vous avez trop pitié de mes enfants. Occupez-vous de vos gosses. Vos gosses là, qui sont des fous ou des prostituées là. Vous venez parler de moi, de mes enfants. Ne vous mêlez plus de mes enfants. Parce que mes enfants vous détestent. Mes enfants vous haïssent. Vous avez compris? Mes enfants vous pissent dans la gueule. Mes enfants vous chient dans la gueule. Ah oui. Parce qu'un enfant va toujours aimer son parent. Je parle de mes ennemis. Donc, ne venez pas en disant que mes enfants vous détestent. Mes enfants disent même qu'ils ne veulent pas de vous. Parce que vous êtes des sorcières. Je parle de mes ennemis, hein. Je ne parle pas de mes bébés d'amour. Je continue. Vous savez que le français, maman, c'est trop dur pour moi. Donc, c'est comme ça. Arrêtez là. Les semblants de vouloir aimer, les semblants de donner les leçons de morale. Contrôlez vos futures prostituées là, qui sont là, que vous êtes en train de faire les petites couettes là, qui seront des prochaines salopes chiennes que les hommes vont maltraiter. Contrôlez-les pour qu'elles deviennent indépendantes. Ne vous occupez plus de ma gosse. Bande de gros chiennes. Vous avez peur de moi? Venez encore. Je vais rester un mois. Résidence secondaire à Beau Soleil. Un mois ici. Venez. Et toi là, pense à ton enfant qui est malade. Ne tente pas avec moi parce que pour le moment, je te respecte. Pour le moment, je ne dis rien. Mais je sais que tu vis en faux profil pour m'insulter. Je te respecte pour le moment. Mais s'il te plaît, ne fais pas que je te manque de respect. Merci. Je sais que tu as compris. Je sais que tu me regardes. Parce que je sais quand tu viens en faux profil. Je sais quand tu viens me dénigrer. Pour le moment, tu vois comment je suis en distance. Je suis discrète. Parce que je t'estimais énormément. Mais je suis déçue de toi lorsque je lis les faux profils venant de ta part. Donc, j'espère que tu vas te calmer dans tes faux profils. Ne joue pas ça avec moi. Parce que tu sais que moi-même, je suis déjà morte. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner dans ce combat, dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. Par contre, toi, tu as beaucoup à perdre. Parce que c'est vous qui avez honte. Moi, je n'ai pas honte. C'est ça la différence entre vous et moi. Donc, j'espère que tu vas te calmer. Je sais que tu as compris. Hey, ma copine Brigitte. Meko, mettez les étoiles. Non, hey, qui est ma copine. Donc, je babada pour rien. Maman, la jalousie de ça. La jalousie de ça. Les clés de mes voitures. Oui. Papa est là. Il s'occupe de ses gosses. Ah oui, amour est là. Ah, tu as besoin de quoi, chérie? Tu as besoin de quoi, chérie? Je dis, dada, alors c'est au service. Ah oui, tout ce que je désire, il fait. C'est ça qui vous dépasse. Vous les traitez de prostituées, maman. Maman, je suis une grande prostituée, alors, hein, parce que j'ai trois prostituées, purée. Maman, n'importe quoi, la jalousie. La jalousie vous mord. La jalousie vous tue. La jalousie fait en sorte que vous ne savez même plus quoi faire. Voilà ma marque. Achetez mes rouges à lèvres, c'est tout. Demain, vous allez insulter mes rouges à lèvres. Comme vous avez insulté, vous avez été incapable d'insulter mes cheveux parce que vous connaissez que c'est ma vie, ça. C'est mon domaine. Personne ne peut critiquer ça. Le cheveu, là, brut. Regardez comment c'est. Le cheveu brut. Maman, tu critiques mon cheveu. Hein? Tu vas me prouver comment tu es allé à l'école pour connaître si moi, mon cheveu n'est pas bon. Parce que je sais ce que je vends. Le cheveu, la brute, là. Regardez la qualité. Regardez. Ce n'est pas les bacs au bâtiment. Je ne vends pas pour vendre. Je vends parce que c'est ma passion. Je vends parce que le cheveu, c'est ma vie. Mon bébé, ça va, mon cœur, oui.
Merci, merci. Maman, c'est la jalousie, mon bébé, mon fils Julien, mon amour. Ça, c'est le mari de notre premier fils Julien. C'est notre bébé d'amour. Notre premier fils, notre bébé. Parce que Dada, nous avons trois enfants. On a Julien, notre premier fils, et nos jumelles. Ça, ce sont nos jumelles. Oui, ça fait trois enfants que Dada et moi, nous avons. Papa, nous avons deux enfants. Amour, alors lui, il a tout mon corps. C'est tout. Vous avez créé Amour de Proxénète. Ah, les Italiens, la mafia, les ceci. Il n'est plus de la mafia. Faites attention avec les gens de la mafia. Il va venir vous mettre les balles dans vos têtes là. Amusez-vous. Vous l'avez créé de gens de la mafia, non? Vous continuez à... Vous pouvez parler avec les gens de la mafia. Faites attention parce que dans vos maisons là-bas, on va venir vous mettre les balles dans les têtes là. Continuez à m'insulter. Parce que moi, je raconte tout. J'appelle à mort, et là, il va répondre. Je veux tout lui dire. Et comme j'ai vos noms, vous croyez que dans la mafia, quelqu'un peut, avec ton nom, il peut dépasser d'avoir ton adresse. Vous dites que oui. Vous pouvez dire, vous pouvez tenter. J'ai les caméras ici chez moi. Vous tentez. On vous met en prison, 30 ans de prison, comme ça. Et vous allez devoir payer. Vous fuyez encore quoi? Vous attendez que je fasse la vidéo quand je vais aller pour venir walk. Je vous dis que je reste là même, crois-moi. Je veux vous voir tous les soirs, je veux sortir, je veux vous voir. La personne, je vous dis, c'est là qu'on va comprendre que dans la vie, il y a puissance et puissance. Tu ne payes pas les impôts, tu fermes ta gueule. Tu sois discrète. Tu fermes ton bec. Tu ne viens plus. La voleuse de sac de Belgique, tu ne viens plus. Je croyais que c'était ta maison ici. Tente de revenir. Tu vas aller déclarer ton argent aux impôts français le jour que je te vois. Le lendemain matin à 8h, je m'en vais aux impôts à Nice. Le lendemain à 8h, je vais te montrer que ton mauvais cœur que tu m'as fait pendant les années là, tu m'as insulté maintes fois. Je vais te corriger. Tu vas te calmer. C'est vous qui me provoquez. Au lieu de venir vous travailler tranquillement, vous me laissez faire mon délire sur Facebook. Vous m'avez traité de mytho. Je suis une grande mythomane. Je suis une malade mentale. Je suis une psychopathe. Je n'ai rien. Mais en attendant, celle qui a quelque chose, passe son temps à écrire sur celle qui n'a rien. C'est quand même bizarre. Hein? Parce que moi, si je n'avais rien, c'est plutôt moi qui allais écrire chez vous. Mais je ne trouve pas normal que vous, les milliardaires, vous passez votre temps à écrire sur ma page Facebook. Créez vos pages, non. Facebook paye aujourd'hui. Vive le Cameroun. Le Cameroun a gagné. Oui. Le Cameroun a gagné. Exactement. On ne lance pas les pièges de ce qui vous a nourri. Ces filles-là, ce sont derrière les saintes. Si j'ouvre ma bouche, je veux faire la liste. Et je veux, un jour, je veux rigoler. Je dis que vous voulez connaître tous les wakas de la Côte d'Azur. Je commence parce qu'elles connaissent celles qui sont venues, même si c'est pour un jour. Je vais citer tous vos noms. Vous allez me faire quoi? Me tuer. Vous me tuez, je deviens... Mes enfants deviennent milliardaires. Vous me tuez, mes enfants deviennent milliardaires. Milliardaires. Pas millionnaire, mais milliardaire. Renseignez-vous l'immeuble. Renseignez-vous. Milliardaire. Ah ouais. Milliardaire. Mes enfants vous détestent. Ils vous haient. Ah oui. Si mes enfants étaient grands, ils vous mettaient une balle dans la tête. À chaque personne qui allait critiquer. Moi, je vous dis. Vous venez faire comme si vous avez trop pitié de mes gosses. Mes gosses vous détestent. Ils vous détestent. Tu crois qu'un enfant peut aimer une fille, une personne qui déteste sa mère? Un enfant ne va, même si ta maman est folle, un enfant va toujours aimer sa mère qui est folle. Vous croyez que quoi? Tentez, hein? Parce que le blanc, lui, ne blague pas. Continuez à insulter que Dada ou papa, c'est un procès. Vous allez avoir le procès dans le cul. Faites très attention. Parce que la famille de Dada, hein, c'est une famille noble, ce n'est pas des petites familles. Ce ne sont pas des petits enfants. Il a deux reines, deux princesses. Ses enfants sont d'accord. Tout ce que je dis là, ses enfants sont courants. Ses enfants ont dit à papa, profite, amuse-toi. Vous croyez qu'une personne comme Dada, parce que vous voulez tellement Dada, venez donc prendre Dada. Venez prendre Dada ici, si vous êtes capable. Hein? Vous croyez que les blancs sont comme vous? Les blancs, ils sont complices avec les enfants.
tout ce qu'il me fait là, c'est parce que les enfants ont validé que oui. Si les enfants ne validaient pas, Dada n'allait jamais me faire ça. Dada n'allait jamais me faire ça. Dada n'allait jamais faire ce que j'ai envie. Parce que eux, c'est d'abord, ils demandent d'abord aux enfants. C'est parce que les enfants, vous avez vu les vidéos, Hermès, mes fils, ils s'amusent avec Dada. Ils jouent avec Dada. Ah oui, parce que je suis une reine, je suis une princesse, je suis une reine des eaux. Vous ne pouvez rien faire. Votre sorcellerie, là, vous avez eu Johnny, je vous ai donné Johnny. Mais eux, là, vous ne les aurez pas. Interdiction. Tu essaies, tu tentes. Maman, tu le joues, là, tu vas coucher avec ton arrière-grand-mère qui est morte que tu ne connaissais pas. Je vais te montrer la vraie sorcellerie. Merde. C'est sur Dada que vous voulez déjà commencer. C'était d'abord à mort. Hein. Après, c'est papa le procès net. Papa, lui, l'a accepté parce que papa, lui, c'est un fêtard. Lui, s'en fout. Il a dit que oui, je suis le procès net international. C'est déjà sur Dada. Le vieux blanc. Le vieux. J'aime mon vieux blanc. Ah oui. J'aime mes vieux blancs. Vous qui avez les jeunes blancs, ils vous apportent quoi? Votre problème est où dedans? Même si c'est mon procès, c'est votre procès à vous. Où est votre problème là-dedans? La jalousie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? Vous êtes jalouse parce que j'ai les nouvelles copines que j'ai connues sur Facebook, grâce à Facebook. Mes nouvelles copines adorables, gentilles, qui me font la recette et qu'on parle des vrais ouais au téléphone. Ça devient la jalousie. Hein? Dada. Même si Dada me tue, votre problème là est dedans. Vous aurez tellement pitié. Vous qui m'avez dénigré, vous serez content. Vous allez gigoler. Et même si me tue, il n'a pas raison de me tuer. Ce n'est pas lui qui a fait mes seins. Ce n'est pas lui qui va faire mes facettes. Il a tous les droits de me tuer. En plus, c'est un médecin. Ah oui. Donc, il a juste à faire une petite composition sur le thé. Dada, s'il te plaît, tu me fais le thé. Il fait une petite composition, il me tue là, relax, est-ce qu'il y a un problème? Ça vous regarde en quoi? Vous venez dénigrer et insulter les gens. Dada, c'est une personne noble. Ses enfants m'adorent. Ses enfants ont mon âge. Ils m'aiment, je suis leur reine. Je vous ai montré comment on m'a reçu. Les enfants de Dada ne sont pas les pauvres. Ah oui? Donc, arrêtez votre sorcellerie là, parce que je vais vous combattre jusqu'au bout. Vous êtes jalouse parce que Dada vous a fermé la gueule. Dada vous a montré que, oui, je suis peut-être noire, je suis peut-être une africaine. Mais je mérite le respect grâce à Dada. J'ai eu le respect dans Facebook. Vous m'avez insulté que je prenais 1 euro, je prenais 5 euros. Dada est venue avec 20 000 euros, il vous a fermé le bec. Et vous dites que je fais la promotion de la prostitution. J'ai montré pour vous fermer le bec parce que vous m'avez tellement insulté. Ah oui, Dada, je le connaissais même pas encore bien. 20 000 euros 2 semaines. Dada vous a fermé la bouche et c'est à cause de ça que vous voulez me tuer. Maintenant, ce n'est plus... En fait, c'est bizarre, un prostituée qui paye. Normalement, c'est que les prostituées, ils prennent l'argent. Un professionnel qui t'offre une voiture, un professionnel qui t'offre les seins, un professionnel qui t'offre les dents. Ou ça alors le capital, maman, une laide fille comme moi, une vieille fille comme moi. Il y a les filles russes, 18 ans, 19 ans. Si tu veux gagner, tu veux avoir de la rentabilité, mieux tu investis sur une petite fille de 18 ans qui fait 1,90 m et qui pèse 30 kilos. Une vieille coyote comme moi, une vieille wolowos, une vieille rondière comme moi, il va investir sur quoi, qui va gagner quoi? Quelqu'un qui connaît l'argent. Je connais que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, arrêtez votre sorcellerie là. Venez acheter les cheveux chez moi. C'est tout. Venez, le rouge à lèvres, vous achetez. J'ai le rouge à lèvres mat. J'ai le rouge à lèvres brillant. J'ai le gloss. J'ai les fossiles. J'ai le liner. Ça, c'est mon liner. Regardez comment c'est bien fait. Ça, c'est mon liner. Natachat. La marque qui est protégée à l'international. Vous ne pouvez rien me faire. Venez travailler. Payez, allez, vous déclarez en tant qu'auto-entrepreneur. Vous venez travailler votre argent. Je ne suis pas la maison d'ici. Vous venez vous travailler votre argent. Incognito. Merci. Merci, mon dada. C'est gentil. C'est ça. Voilà. C'est la jalousie, là.
Merci Valérie Amougou. Oui, il faut passer la commande. J'ai les vraies copines. Je vous dis que grâce à Facebook, merci pour les étoiles, mes bébés. Merci. Je suis déjà à 910 étoiles. Merci beaucoup, mon cœur. Oui. Eh, mon fils Julien, mon amour. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime, creux fort, mon amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, oui. C'est la jalousie. Maman, on dit que Julien, on dit que ton papa est devenu mon procès. Parce qu'elle voit que moi, je suis heureuse. Parce que ton papa ne m'a pas abandonnée. Ce qu'elles auraient aimé, c'est que comme elles m'avaient tellement insulté, elles auraient aimé que mon papa, ton papa m'abandonne. Sauf que ton papa ne m'a pas abandonné, mon bébé. Hein? Au concret, ton papa m'a valorisé. Au concret, les enfants. Vous croyez que les enfants de Dada ne me regardent pas ici? Ces deux filles, les deux reines. J'ai passé toutes les vacances avec eux. Les deux princesses qui adorent mes enfants, qui respectent mes enfants. Ils sont venus en week-end chez moi avec mes enfants. Ah ouais. Vous allez faire quoi? Maman, une personne comme moi, on ne peut pas atteindre. Parce que tout le monde est au courant. Déjà dans ma propre famille, ils sont au courant. Donc, vous ne pouvez pas me faire du mal. Vous ne pouvez pas psychologiquement m'atteindre. Tu dis que oui, j'espère que tu auras des locataires qui vont pouvoir te payer, qui vont, tu vas pouvoir payer les rembourser les crédits que tu prends. Ah bon, hein? Tu crois que la banque, comme ils m'aiment tellement, ils me donnent les crédits. Tu crois que la banque va donner un crédit à quelqu'un qui n'est pas solvable? N'importe quoi. Tu as tellement pitié de moi. Viens donc rembourser mes crédits. Hey, je croyais qu'ici, c'était pas chez moi. J'étais en location. Je croyais qu'à Toulouse, j'étais à Airbnb. Je croyais que dans tous les appartements, là, je racontais le mitonnage. La honte de ça. La honte. Propriétaire à 100%. Il n'y a pas le signature d'un homme derrière que 8-50%. L'autre, c'est 100%. Je peux faire les donations. Je dis que si on meurt aujourd'hui, ça, l'héritage va aller chez Dada. L'héritage va aller chez papa. L'héritage va aller chez Amore. Je peux signer comme ça là. Et on va sauf que le faire. La jalousie vous pique. Maman, mes copines, je cherche les partenaires. Mes co, si vous êtes dans le business, je suis là, partenaire. On va fonctionner ensemble. Il y a les grands way, mes copines. Mes copines, appelez-moi. Il y a les vrais way. Valérie Amougou, il y a les vrais way. Les vrais ouais, c'est tout. Les ouais androïdes. La jalousie. La jalousie. Lorsque quelqu'un vous dépasse, fermez vos bouches. Vous avez compris, non? Mes petits cœurs, moi, je vais devoir vous laisser. Je vous aime énormément. Je suis très heureuse de vous avoir. Comment au son, comment mon cœur, ça va? Ok, bah, j'étais dans les grands. Okay. Vous savez comment je suis dans les ambiances, non? Je suis dans les ambiances. Parce que normalement, en hiver, là, je dois faire le tour d'Europe. Nous avons en plus que Courchevel, ça ouvre là. Il y a la fête, le nouvel an. Hein, c'est quoi? C'est la fête des Russes, là, quelque chose comme ça, au mois de janvier. Mm-hmm. Au son, tu m'as. Ok, mon cœur! Je ne réponds jamais à tes messages. Mon bébé dit que c'est toi. Quand tu m'envoies un message, dit que tu es au son. Tu sais que tu es ma personne, je peux. Ok. Ma copine. Comment ma personne, ma cour des grands oui. Hein? Les prix de perruques, ça dépend. Ça varie les prix. Mais c'est le vrai cheveu. C'est la qualité. Ne vous inquiétez pas. Oui, Olivia, ma chérie, ne t'inquiète pas. Merci, mon bébé. Oui, si vous voyez même que je vous manque mes copines, mais les ouais, c'est parce que je veux les larguer. En fait, je veux les choquer. Maintenant, ils disent que ce n'est plus papa. Ils ont dit ici la semaine dernière que papa était mon proxénète, non. Avant, ils disaient qu'à mort et que la mafia italienne allait me tuer. Je m'étais là, c'est papa, le pauvre français qui s'est débrouillé avec ses enfants. C'était juste qu'ils nous ont envoyé les services sociaux, jusqu'à les services sociaux sont venus me demander pardon, se sont excusés. Parce que ne dérangez plus. Et je vous ai dit, vous avez vu celle qui a déranger la police là. Continue à déranger les services sociaux. Vous avez vu comment on a condamné la fille 5 ans de prison. Hein? 6 mois de prison. Parce qu'elle a fait croire qu'elle s'était fait violer. Continue à appeler anonymement pour les conneries. On va prendre vos numéros et on va vous. Vous connaissez l'État français, ça ne badine pas. Continuez. Vous avez vu celle qui a dérangé là? On va la mettre 6 mois, je pense c'est 6 mois de prison avec combien de 1000 euros d'amende? Parce qu'elle dérange. Il y a les gens qui ont des problèmes sérieux.
Il y a les enfants qui ont besoin vraiment de l'aide de l'État. Vous prenez, vous, parce que par jalousie, par sorcellerie, par méchanceté, vous déplacez les services sociaux pour des bêtises, des banalités de Facebook parce que vous êtes tellement jalouse d'une personne qui vous dépasse. Vous allez, et c'est obligé de s'excuser. Je dis là sur Facebook, ils m'écoutent, ils me voient. Elles-mêmes, elles me voient là. Les gens des services sociaux me voient sur Facebook. Vous avez fait ça. Vous les avez dérangés. Pourtant, il y a les enfants qui ont des sérieux problèmes et qui ont besoin d'aide. Continuez. Parce que la prochaine fois, on va, vous allez avoir, être dans le même cas que la fille qui a dérangé la police pendant combien de semaines et qui a fait croire qu'on l'avait violée. Pourtant, on ne l'a jamais violée. Elle faisait ses fantasmes dans la tête. Vous avez vu comment la justice n'est pas bien avec elle là. Vous avez vu comment la justice se fâche contre elle. Parce que la police, tu perds le temps à la police. Hein? Et tu crois qu'on va te laisser. Donc continuez à faire vos conneries par jalousie, par aigri, par méchanceté. Sachez que Dada est dans ma peau. Dada, c'est comme ça. À mort, et c'est comme ça, papa, alors n'en parlons plus. Lui n'a même pas le choix. Sachez-le, vous ne pourrez pas pour les croire là. Et je veux faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire n'importe quoi, ils vont sauf que fermer leur bouche. Parce que, c'est moi la bigre. J'ai dit, garde-vous, boum, ils se mettent comme ça. Sachez-le. Et personne ne pourrait nuire ça. Personne. Au nom de Jésus. Aucune. Je pourrais nuire. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous de vous. Je vous dépasse parce que je ne viens jamais dans vos Facebook pour dire les méchancetés vous concernant. Si vous venez vers moi, c'est que ce que je fais vous choque. Parce que si ça ne vous choque pas, vous n'aurez rien à foutre de moi. Quelqu'un de classe ne va pas venir écrire sur quelque chose qui n'a rien à foutre. Ça veut dire que ça vous fait mal. Donc, vous venez pour vouloir me dénigrer. Et je suis satisfait lorsque je lis vos commentaires. Je dis, aïe, j'ai atteint ce que je voulais. Je suis allée, c'était choqué. Je t'ai fait mal. C'est pourquoi tu viens et tu te permets d'écrire 10 pages me concernant. Vous n'aurez jamais Dada. Vous n'aurez jamais Amore. Vous n'aurez jamais Papa. Je vous le dis. Sinon, ça va être le feu sur Facebook. Facebook va prendre feu le jour-là. Je fais le pari. Je lance le pari. On commence à partir d'aujourd'hui. Tentez. Maman, on va devenir les herbivores, les carnivores. Carnivores. Parce que vous avez fait avec Johnny, là. Johnny, c'est un mangano. C'est un rien pour rien comme rien. Vous croyez que moi, je peux me bagarrer pour la saleté? Regardez-moi bien. Propriétaire. De plus, vous acceptez que je suis propriétaire. Vous acceptez, je croyais que j'étais mythomane, que je n'avais aucun bien. Je suis contente. Mes ennemis savent déjà que je suis une propriétaire. J'espère que tu vas réussir à payer tous les crédits que tu prends. Tous les crédits que tu prends. Maman, même si je n'arrive pas à payer, tu crois que dans un bien immobilier, tu perds l'argent. Maman, n'est-ce pas, tu revends même un peu, même 10 000 euros plus cher. Tu récupères tes frais de notaire et tu prends le bénéfice de 10 000 euros. Il y a les gens qui achètent au bout d'un an, ils revendent, ils font leur pourcentage. Vous voulez me parler d'immobilier? C'est ma maison, je connais ça. Moi, je suis née avec ça, c'est dans le sang. Donc, vous ne pouvez rien faire. Je peux acheter l'appartement. 2 ans après, je revends. Je gagne 30 000 euros dessus. L'immobilier, c'est quoi? Il faut bien revendre, c'est tout. Si tu revends bien, ça te rembourse les frais de notaire, les frais de dossier et tout. Tu récupères, tu prends un bénéfice de 30 000 euros. Maman, c'est plus intéressant que de payer l'argent dans le compte. Tu n'aurais jamais un intérêt qui va t'apporter 30 000 euros à l'année. Ou même dans 2 ans. Même dans sur 2 ans, jamais. Vous dites que je ne parle pas bien français, en attendant, je réalise les choses. Vous qui parlez français, pourquoi vous venez écrire dans mon mur? Moi qui ne parle pas français, je fais quoi? Je n'ai même pas le temps de connaître vos murs. Vous venez en faux profil m'insulter. Soyez capable, venez en vrai profil, insultez-moi. Insultez-moi. Venez me montrer vos preuves. On saurait qui vous êtes. Vous avez compris? Arrêtez de faire la jalousie. Je dors chez moi.
Maman, ça là, c'est sans crédit. Résidence secondaire. Sans crédit. À 5 minutes de Monaco. Sans crédit. Je vous préviens. Sans crédit. Propriétaire à 100%. L'unique et la seule propriétaire à 100%. Crois bien en France, propriétaire à 100%. Allez payer vos impôts. La personne qui tente de travailler ici sans payer les impôts aura affaire à moi. Je suis quand je suis là. Je filme, je me filme tous les jours, non? Lorsque je suis à Toulouse, venez vite. Et un jour, je vais venir par surprise. Vous allez sauf que payer les taxes là. Il est hors de question que vous travaillez au noir. Vous volez l'argent en France. Vous prenez la CAF. Vous prenez le RSA. Vous prenez les Français pour des cons, pour les moindres rien. Nous, on travaille comme des merdes pour vous payer vos CAF. Et en plus, vous osez venir m'insulter en faux profil. Vous prenez pour qui? Ici, là, c'est notre pays, la France. Vous allez sauf que respecter les règles de la France. Je ne prends aucune commission. Mais vous allez me respecter. Tu ne viens plus, toi. Tu prenais l'avion pour Belgique. Viens en France. Viens ici. Je veux te montrer que tu vas payer les impôts dans ce pays. Je veux te montrer que tu as voulu me montrer que tu me détestais, non? Au lieu d'aller régler les problèmes avec la famille sénégalaise, là où tu as volé le sac Chanel et que tu as volé le mari de Creuil. C'est moi que tu viens attaquer. Viens en France si tu es forte. Viens là à Monaco, même si tu te dis que je vais te montrer que Monaco, c'est la France. Viens à Monaco. Tu vas aller payer les impôts. Attends. Tu veux faire la guerre avec une pute. Une pute, tu veux payer faire la guerre avec une pute. Je vais te montrer que je suis plus pute que toi. Espèce de chimani. Saleté. Chienne à deux balles. Ouais. Et toi, je te dis encore, occupe-toi de ton enfant qui est malade. Je sais que tu viens en faux profil pour m'insulter. Pour le moment, je te respecte parce que ma maman t'aime beaucoup. Gardons nos relations comme ça. Parce que moi, je n'aurai pas honte. Mais toi, tu risques d'avoir honte. Je te le répète encore. Sur ce, mon bébé, je vous aime. Gros bisous, mes doudous. Bonne nuit. Merci pour les étoiles. Merci pour les cœurs. Je vous aime.